Hey yo tout le monde, c'est Gaming and Fun, j'espère que vous avez tous la forme. En tout cas moi ça va super comme d'habitude. Donc on se retrouve sur NASCAR 2014 pour la course au Kansas. On va la faire de nuit parce que on peut pas faire de nuit avec toutes les courses. Donc là on a l'opportunité, donc on va la faire de nuit. C'est vrai que ça rend bien aussi de nuit. Même si on voit moins bien le circuit, il est illuminé comme il est illuminé avec les lampes parce que les voitures, en vrai, les voitures de NASCAR n'ont pas de phare, c'est juste des autocollants. Donc voilà. Donc j'ai pris la numéro 34. Donc c'est une Ford Fusion. Le circuit a l'air petit, hein. Enfin, il a l'air moins grand que celui au Michigan. Et on dirait qu'il pleut, je sais pas. Ça fait l'impression qu'il pleut. Ouais, il pleut. Non, je sais pas. Quand on regarde la route, on dirait qu'il y a des trucs qui tombent. On dirait qu'il pleut, après je sais pas. Oh, j'en ai vaqué deux d'un coup là. Oh, il va dégager lui. Je l'ai traîné sur plus de 100 mètres. Et donc là il y a un carambolage. J'en ai vaqué deux en même temps. J'ai vaqué celui de derrière et celui de devant. Je suis trop fort. Donc là je suis 35e. Le premier c'est Ednard Junior. Je suis 29e. Je suis en train de rattraper les leaders. Je vais pas déjà doubler tout à l'heure toi. Ah non. Ah c'est la target, c'est celle que j'avais pris juste avant. Il n'y a pas une très bonne maniabilité des véhicules quand même. Enfin en vrai c'est pareil, c'est vrai que c'est pas ça doit pas être des voitures faciles à piloter. Après faut s'en douter mais...
un truc marqué sur le capot en anglais. I promise to break four trains. Je promets que je freine pour les trains ou je sais pas. Ça doit être un truc de train. Play it safe. Mon accent anglais n'est pas super. Donc je préfère la fermer, tout simplement. Je suis 18ème. Je rattrape les premiers. Le peloton de tête, il est juste là. Enfin, une partie. Oh, la McDonald's. Oh, le crash. Oh, il y a un crash derrière, un truc de fou. Il y a une manœuvre qui a monté sur la McDonald's. C'est la voiture avec le drapeau américain dessus. Donc là, on va passer bientôt au 10ème tour sur 13. D'ici là, il y a le temps de regagner quelques places. Sachant que je suis 13ème. Les 10 premiers sont devant. Bon, j'ai vaqué la M&M's. Septième. Allez, Utnard, tu dégages. Sixième. Oula, 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 oula. Cinquième. Ah, le premier, il a essayé de m'éloigner. Donc faut que je mette les gaz. Ça va être chaud de le rattraper. Troisième. Ah, si je suis sur le podium, c'est bien quand même. Dernier tour. Ils sont dans le groupe de tête de devant. Ah, c'est impossible. J'entame le troisième virage. Oh là là. Deuxième, premier. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi à le doubler juste avant l'arrivée. C'était chaud quand même. Ah, c'était une belle course. Au Kansas. Ah, ça me paraissait impossible de le rattraper dans le dernier tour, mais bon. C'était chaud quand même. Ford fan, un trophée. Oh, les trophées quand même, j'en gagne beaucoup. Donc j'ai pas encore été voir ce qu'il y avait. Enfin si, une fois, mais c'est en anglais, donc je comprends rien. Voilà. Donc on se retrouvera bientôt pour de vidéos de NASCAR 2014. Salut.